L'avantage, quand même, de transformation du méthaniseur quand on pense vers le haut. Si quelqu'un qui pilote un méthaniseur rentre à peu près toujours dans les mêmes types de matières, eh bien, il acquiert petit à petit des routines. Par contre, c'est beaucoup plus difficile si jamais on a des méthaniseurs avec des alimentations très variables au cours du temps. Il faut toujours anticiper, il faut toujours faire attention. Et c'est, voilà, c'est le but recherché, c'est d'avoir une ration la plus constante possible, des intrants les plus réguliers possibles tout au long de l'année pour pouvoir connaître comment ça va se passer. Un intrant, c'est ce qu'on entre à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce qui entre dans l'unité de méthanisation. C'est les produits ou les déchets qu'on apporte à l'unité de méthanisation. Par exemple, chez nous, c'est du fumier, du lisier, enfin les effluents d'élevage, pour 60%. C'est de l'herbe, c'est des cultures intermédiaires, un peu de culture dédiée pour sécuriser la ration, et des déchets d'industrie agroalimentaire. C'est trouver l'alchimie entre les intrants pour que les bactéries se sentent le mieux possible, sans trop les brusquer. Au niveau des bactéries, en fait, il faut savoir qu'on a grosso modo 4 familles qui interagissent entre elles, qui n'ont pas exactement les mêmes conditions de travail, mais qui peuvent s'entendre très bien sur certaines valeurs de pH, de température et d'autres conditions. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de comprendre leurs mécanismes, comment elles s'entendent entre elles, et de leur fournir ces conditions optimales pour leur travail. Après, on essaie de formaliser ces comportements-là par des équations. On va appeler des modèles et après, on essaie de faire tourner ces modèles-là pour prédire le fonctionnement d'un procédé de méthanisation. Ces travaux-là sont une attente aussi des méthaniseurs au niveau national. On a une association des méthaniseurs de France, AAMF, dont je fais partie du conseil d'administration, qui sommes toujours en demande et à la recherche de nouveautés et d'outils d'aide à la décision et d'outils d'aide au suivi de nos unités. Pourquoi c'est important de prédire? Parce que c'est une manière d'anticiper le fonctionnement d'un méthaniseur et de dire si j'ai telle quantité de composés organiques, je vais avoir telle quantité de méthane et je saurai comme ça au bout de combien d'années, par exemple, mon installation de méthanisation devient rentable. C'est important aussi de savoir que tel composé est problématique, inhibiteur ou toxique, et que si je le mets en telle quantité, et bien il va me bloquer mon procédé, et donc je vais essayer par la suite d'éviter de l'avoir ou d'éviter de l'avoir en quantité trop importante. Il faut toujours anticiper, il faut toujours faire attention, et le but recherché, c'est d'avoir une ration la plus constante possible, des intrants les plus réguliers possibles tout au long de l'année, pour pouvoir connaître comment ça va se passer. Et donc c'est tout ce travail-là qu'on essaye de faire en amont avec la modélisation et la simulation pour essayer d'anticiper le comportement des méthaniseurs et puis avoir une vue globale sur ce qu'on va avoir.